J'espère que vous avez bien suivi la course de Tanguy et de François. Ils sont presque arrivés à destination. Ils se trouvent à la hauteur de Rio de Janeiro. Depuis ce week-end, ils ont des conditions météo très difficiles et ont même déchiré une voile. Nous allons appeler le bateau Initiatiqueur pour parler à Tanguy et François. Bonjour François, bonjour Tanguy, je suis avec les enfants de CM2 de l'Obsolète au Mans. Ils suivent votre course. Dans le poteau noir, comment dormiez-vous sur le bateau penché? Alors, dans le poteau noir, on dormait chacun notre tour, mais on était très très humide parce qu'il y avait des gros grains avec de la pluie, des nuages, avec beaucoup de pluie. Et du coup, on dormait chacun notre tour et on essayait de pas mouiller notre lit parce que c'est le truc le plus important dans le bateau, de pouvoir dormir au sec, parce que la plupart du temps, on est dehors, on est mouillé, quoi. Comment revenez-vous en France? Eh ben, nous on va revenir en avion et le bateau il va revenir par la mer. Donc il y a trois garçons qui vont venir le chercher. C'est les garçons qui s'occupent de la préparation du bateau pour que nous on puisse partir faire la course. Et puis là, bah, c'est eux qui vont le ramener en France à Lorient. Bonjour Tanguy et François, je m'appelle Clémence. Salut. Comment faites-vous la nuit pour manœuvrer? Alors, il y a sur le mât, il y a un spot, donc on peut avoir un peu de lumière à l'avant quand on change les voiles qui sont à l'avant du bateau. Et sinon, on a des lampes frontales qui nous permettent de voir ce qu'on fait, parce que c'est vrai que il faut qu'on fasse les manœuvres la nuit comme le jour. Donc, on met un peu plus de temps la nuit, mais on commence à connaître. Moi, je connais bien les couleurs des boots et savoir où ils sont. Et après, j'explique à François s'il est pas sûr de savoir comment faire. Bonjour Tanguy et François. Non, pas du tout, là. Juste pour vous dire qu'on vous a suivi depuis le début et que chaque matin c'était un plaisir de regarder le carnet de bord. Et par la même occasion, nous avons étudié latitude, longitude, climat, échelle, nœud, mille, et j'en passe. Donc c'était vraiment un plaisir. C'était notre petit rayon de soleil du matin. Donc on vous souhaite avec bon vent et puis arrivez bien jusqu'au bout. Vous avez participé au fait qu'on ait envie d'aller jusqu'au Brésil et que même dans les conditions difficiles, on sait pourquoi on essaye d'y aller pour aider tous les petits enfants et puis pour que tous ceux qui sont dans les écoles aussi puissent avoir des bons moments parce que on aime bien partager nos aventures, donc c'est super que ça vous plaise. Bonjour, c'est Cyril. Ça te fait quoi d'être skipper? Mais je suis pas skipper en fait. Et heureusement parce qu'on serait pas encore au Brésil à mon avis. J'aide Tanguy, moi je suis assistant skipper. C'est-à-dire que Tanguy me dit un peu ce que je dois faire et puis j'essaie de faire le mieux possible en essayant de pas faire de bêtises, parce que quand tu fais une bêtise sur un bateau en général, ça tu casses du matériel, et quand tu casses du matériel, le bateau fonctionne plus. Et tu peux plus avancer, donc il faut être extrêmement prudent. Quand est-ce que vous allez arriver? On devrait arriver jeudi dans la matinée en fait. On sait pas exactement parce que le vent varie. Là on a 20 nœuds de vent, mais il y a 20 minutes on avait 13 nœuds de vent. Donc ça dépend un peu, mais en principe il doit être régulier. Donc on devrait arriver jeudi matin. Est-ce que vous avez hâte d'y arriver ou un petit regret que ça se termine? Ah non, moi j'ai hâte d'y arriver. Non, ça fait bientôt 3 semaines qu'on est parti, donc il y a un moment, moi j'aime ma vie sur Terre, donc je suis content d'arriver, d'en trouver la Terre aussi, malgré que c'était une super expérience et que je suis content d'avoir passé 3 semaines en mer, mais c'est assez paradoxal, assez bizarre, puisque quand on part des premiers jours, le seul but qu'on a c'est d'arriver, alors qu'on est parti pour naviguer, donc c'est... On a envie de naviguer, mais on a envie d'arriver aussi. Et là, je sens qu'on a vraiment envie d'arriver. En plus, on a mangé toute la bonne nourriture qu'il y avait à bord. Est-ce que ça serait bizarre de vous retrouver sur la terre ferme? Oui, je pense que en mer, on a le mal de mer à certains moments. Et quand on a passé pas mal de temps en mer, on peut avoir le mal de terre aussi, c'est-à-dire se sentir un peu vaseux, un peu patraque en arrivant. De toute façon, ça dure 1 heure maximum, mais ça va, c'est pas très grave. Salut François, c'est Victoria. Est-ce que ça t'a plu, les 369?
360 degrés. En plus, on a même fait 720 degrés. On a fait deux fois le tour comme ça. Et je comprenais pas trop bien. C'est déjà pas facile de se retrouver, de se repérer dans l'espace quand on est en mer parce que on a rien pour se rattacher. Et donc, au bout de si c'est l'ordinateur où on situe le bateau, mais une fois que le vent se met à tourner complètement, on sait plus très bien où est le nord, où est le sud, où est l'est, où est l'ouest. Et donc, c'est assez perturbant, quoi. Eh bien, merci Tanguy et François. On vous souhaite une belle fin de course. Comme vous arrivez bientôt au Brésil, je vais vous apprendre quelques mouvements de samba. Tout est dans le déhanché. Ah d'accord. Ah, on s'est entraîné un petit peu déjà avec François. Bonne fin de journée à vous tous alors et puis... J'espère que vous êtes content que Nao soit venu vous voir. Et bah à bientôt alors.